Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Vice-Versa, votre magazine de débat et d'échange d'idées. Nous poursuivons bien entendu notre dialogue Afrique-Europe. Et aujourd'hui, nous, nous arrêtons sur un thème particulier, celui de la promotion de l'entrepreneuriat et des PME, des petites et moyennes. Entreprise avec plusieurs invités sur, le, sur ce plateau que je vous présente tout de suite, à commencer par à ma droite, monsieur Christian Weinberger, qui est conseiller pour la politique des PME et de l'entrepreneuriat à la direction générale entreprise et industrie de la Commission de l'Union européenne. Monsieur Weinberger, merci d'être là. Bonjour. Merci aussi. Avec nous aussi, Edith Miller, qui est la directrice générale de EMRC, qui est un. Cabinet de consultance, mais aussi qui organise de nombreux forums pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat en Afrique. Edith, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Première présence dans une émission de Vox Africa. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Edith. Et enfin, un euh, invité aussi que vous connaissez bien, euh, Dacha Ribeiro, journaliste au producteur et éditorialiste dans Vice Versa. Dacha, merci d'être là. Merci, Eric. Alors donc, on parlera bien sûr de la promotion des petites et moyennes entreprises en rebondissant sur ce forum ici, SME Finance Forum Africa-Union Européenne, qui a eu lieu le 23 novembre ici à Bruxelles, à l'initiative du commissaire... Euh, européen à l'industrie et à l'entrepreneuriat, M. Antonio Tajani, donc un forum qui a réuni à la fois la Commission de l'Union euh, européenne et la Commission de l'Union africaine pour essayer de dresser des ponts entre les deux continents, entre les deux commissions, pour promouvoir un financement innovant pour les petites et moyennes entreprises. Alors nous avons sur ce plateau, comme je le disais, M. Christian Weinberger. Alors vous faites partie justement de cette DG entreprise et industrie. Euh, la première question, d'abord, on a coutume quand on parle des relations Afrique-Europe. Euh, d'avoir plutôt, comme interlocuteur du côté de la Commission européenne, la DG DEFCO, ce qu'on appelle la DG DEFCO, c'est-à-dire celle de la coopération et l'aide au développement. Mais là, c'est une initiative qui venait de la DG Industrie. Euh, pourquoi cette initiative et Parce que, euh, à la limite, l'aide doit être aussi réelle. C est, c est parler tout le temps de services, c'est une chose. Mais l'économie réelle, ce sont les sociétés, ce sont les, les industries, ce sont les PME. Et là, il faut renforcer. Si on, si on veut aider, aider, il faut renforcer le business. Exactement, mais c'est vrai, vous avez raison de souligner ça, parce que c'est ça justement qui a retenu notre attention, le fait que l'initiative ne vienne pas dans le cadre de ce qu'on a communément l'habitude de voir, hein, c'est-à-dire des discussions sur l'aide publique au développement. Euh, d'ailleurs, il faudrait souligner que dans la réforme récente de l'aide publique au développement, le commissaire André Spielbach a d'ailleurs mis l'accent sur le privé, donc euh, le rôle du secteur privé, la promotion du secteur privé dans les pays euh, en développement, et notamment en Afrique, pour essayer justement de faire ce saut qualitatif pour atteindre le développement. Alors revenons au forum du, du 23 novembre, un forum, comme je l'ai dit, qui est un forum sur la finance des PME, un forum que vous organisez régulièrement, tous les six mois, où vous vous concentrez plus essentiellement sur le financement des PME européennes. Mais cette fois-ci, vous avez choisi de lancer un pont vers l'Afrique. Alors dites-nous quels étaient les objectifs d'abord de ce forum et est-ce qu'ils ont été atteints euh, L'Europe est grande. Mais il y a certains pays qui sont très proches à l'Afrique. Alors pour eux, c'est plus logique d'aller vers l'Afrique que vers la Suède ou, ou, ou Finlande. Euh, par contre, le marché commun est facile. Exporter vers l'Afrique, ce n'est pas toujours si facile, surtout pour les petites et, et moyennes entreprises. Et c'est pour ça qu'on doit aussi euh, mettre un certain focus euh, de, de faire plus facile les rations, les business international pour les PME. Et en effet, euh, la Commission euh, vient de lancer, et c'était aussi ressorti de notre DG et des de compétences de M. Tajani, euh, une communication de la Commission pour aider l'internationalisation des PME. C'est une fois un peu plus général, mais c'est une action, c'était la semaine dernière, une action plus concrète. Et alors, au terme du forum donc, du 23 novembre dernier, hein, sur les SME, la finance des, des petites et moyennes entreprises, euh, Afrique-Europe, euh, il y a eu un MOU qui a été signé. Et ça consiste en quoi qu que, euh, qu que, Quel sera l'avenir Quel a été le résultat concret et quelles sont les perspectives euh, La politique PME en, en Europe, de l'Union, de la Commission, si vous voulez, c'est... Euh, quand même, c'est un domaine important de comparer, c'est ce qu'ils font les États membres, de vérifier, d'analyser, de trouver les bonnes pratiques. Et le forum est aussi un forum de parler, d'en parler les bonnes pratiques qui font les uns, qui peuvent être euh, utilisées par les autres. C'est assez logique, je trouve, qu'on dit pourquoi ne pas étendre ce discours vers l'Afrique, pour inspirer les, les pays en, en Afrique, la politique aussi de la Commission de l'Union africaine, utiliser les bonnes pratiques. Ce n'est pas la peine de euh, trouver les roues euh, par de tout le monde. Exactement. Mais est-ce qu'on ne parle pas de deux, de deux ensembles qui sont quand même. Euh, Diamétralement différents. Je veux dire, l'Europe a une vieille tradition d'industrialisation. Euh, L'Afrique est à peine, comme on le dit, un continent euh, en voie de développement. Donc, notamment, le, le poids relatif des PME, PMI dans, dans, dans l'économie, dans la production de richesses, n'est pas la même en Afrique et en Europe. Euh, Est-ce que deux entités qui ont de telles différences peuvent-elles coopérer et parler ensemble Parler le même langage Une fois déjà, euh, en, en, des dents. En Europe, il y a des grandes différences. Si vous comparez Bulgarie et le Royaume-Uni ou la Finlande et le Portugal, il y a cette différence. Mais nous trouvons, quand nous faisons l'analyse, que les problèmes, en principe, les problèmes de base sont toujours les mêmes. Les solutions peuvent varier, le, le taille relative de certaines solutions peuvent changer, mais à la limite, et c'était aussi évidencé à la conférence, la situation n'est pas tellement différente et on ne peut pas utiliser euh, les choses que nous avons trouvées. Alors un exemple, par exemple, d'une bonne pratique par qui exemple, pourrait être euh, étendue ou en tout cas servir aussi bien euh, oui. en Europe et en Afrique. Par exemple, vous avez un, un grand problème pour les plus petits, euh, l'entreprise ou l'entrepreneur, les plus euh, difficiles à trouver les financements. Parce que les banques, avec les petites entreprises, ils s'en doutent, est-ce que l'entrepreneur le, est capable, est-ce que ce n'est pas un trop grand risque, et aussi les, 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 les sommes ne sont pas tellement élevées que les banques se disent, il faut maintenant faire un dossier, faire monter un dossier pour, trouver, pour analyser tout, les risques et tout ça. Ça nous coûte beaucoup, ça vaut mieux d'investir euh, notre argent ailleurs. C'est le même problème chez nous, en Europe et en Afrique. Et évidemment, la solution est d'informer plus intensivement les gens aux banques, comment faire avec ces petites, très petites entreprises. Mais c'est aussi de donner un support aux entrepreneurs, comment il faut se présenter vis-à-vis d'une -vis banque. Il y a des règles, il y a des, des moyens de, de faire son business case beaucoup mieux. Et ça aide beaucoup. Par exemple. Par exemple okay. Et faire ces initiatives, trouver l'organisme de support qui peut implémenter ça, c'est quelque chose qui peut être financé. Okay, on voilà. rentrera plus en détail justement dans ces outils hein, qui existent et qui sont à disposition et qui bien sûr devraient être améliorés. Je me tourne vers vous, Edith Miller, j'ai rappelé, donc directrice générale de EMRC, euh, un organisme qui a justement... Cette habitude du terrain, parce que vous organisez plusieurs forums, hein, notamment il y a un an ou deux ans, c'était Amsterdam, le dernier euh, Africa Finance aussi, hein, donc pour chercher des financements pour les PME-PMI. Récemment, vous étiez en Afrique du Sud pour l'agribusiness, dans un secteur clé, l'agriculture, un secteur porteur sur le continent africain. Est-ce que d'abord, première question, euh, ça vous paraît intéressant le fait que ce ne soit plus un dialogue entre Afrique et, et je dirais la galaxie de la coopération au développement, mais que ce soit un dialogue avec la DG Industrie Entrepreneuriat de l'Europe. Et comme l'a dit M. Weinberger, cette fois-ci, on parle business réel. Je pense que c'est très intéressant. D'abord, si vous étiez à notre conférence qu'on a fait avec la Banque africaine de développement au début à Lisbonne, juin, au de juin à Lisbonne, effectivement, dans le cadre des assemblées annuelles de la BAD, de la Banque africaine de Effect... développement, effectivement. Et là, la banque nous a demandé, donc on était partenaire, et la banque nous a demandé d'organiser une conférence sur les SME Finance. Donc c'est exactement le même sujet qui a été traité ici la semaine dernière. Maintenant, les langages est pareil. Donc, il faut chercher des financements. Il y a des difficultés pour les PME africaines de trouver des financements et il faut chercher un petit peu des idées innovantes. Et les idées innovantes sont, par exemple, des interviews euh, spéciaux qui ont été développées d'ailleurs à Harvard, à l'Université d'Harvard à Boston, mmh. et que, euh, où vous ne vous présentez pas un dossier euh, comme comme jusqu'à aujourd'hui à la banque, parce qu'effectivement, il faut apprendre comment présenter votre cas et votre projet, mais vous, vous passez une interview avec les banquiers. Et dans cette interview, qui dure une heure ou deux heures, hein, c'est une interview longue et détaillée, les banquiers définissent et, et vérifient si vous êtes sérieux, si vous êtes capable de, de, de payer, etc. Et, et ils disent, d'après eux, que le, le taux de réussite... D'après ces interviews, et quelques 70%, et c'est beaucoup plus élevé que le, avec, enfin dans un cas traditionnel, et des méthodes traditionnelles qui ont été utilisées jusqu'à maintenant. Donc, les problèmes de financement pour les PME sont. Effectivement, comme vous avez dit, ils sont très très semblables entre l'Afrique et l'Europe. Seulement, en Afrique, le problème est plus grave. Ça, c'est vrai. Mais ils sont vraiment très similaires. Seulement, en Afrique, Mais il y a moins de d'entreprises, de, 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 il y a euh, moins de, des ponts et se, se, se faire une transmission des bonnes pratiques. pensez enfin, ça, c'est possible ça, ça, Donc, des solutions à, qui à auraient avis, marché en Europe, les appliquer en Afrique ou des solutions qui auraient marché en Afrique, les appliquer en Europe. Par exemple, on vu, hein, l'a vu, le, le, le boom de la microfinance, par exemple, euh, en, 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 en Afrique, Afrique. Ça, ça a été très intéressant. Il y a même maintenant des cas de microfinance pour des très petites PME qui, qui, qui utilisent le même système ici en Europe aussi. Non, non seulement ça, mais nous introduisons des, des banques européennes en Afrique. Pour aider la microfinance. Donc, des banques européennes, et on a plusieurs exemples sans les citer, mais on a plusieurs exemples de banques européennes qui cherchent où investir leur argent et ils l'investissent dans des microfinances et des microcrédits en Afrique. Donc, pour, pour dire que la confiance est là, et si on travaille ensemble et on, on passe les bonnes pratiques de l'Europe vers l'Afrique, si on passe par le stade de, de la formation, parce que la formation professionnelle, c'est quelque chose de très important, il est très solide en Europe. Beaucoup moins en Afrique. Si on passe par ce stade via un partenariat avec des Européens, oui, alors on peut, ça, on peut vraiment avancer pas okay, mal. On va continuer mal. dans le détail pour voir vraiment quels sont les points justement où on pourrait insister et, et là où des progrès substantiels peuvent être opérés. Mais avant ça, on reste sur le, 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 la question préliminaire, hein, comme je disais, le fait que ce soit cette, ce dialogue notamment entre l'Afrique et une DG opérationnelle, si je puis dire, la DG entreprise. Est-ce que pour vous, Dacha, qui observez ces choses aussi avec un recul, est-ce que c'est symboliquement intéressant de dire que là, on parle business réel c'est plus que symbolique, Eric, car, euh, en fait, comme vous avez très bien dit au début, euh, disons que cette fois-ci, on a quitté le champ de la coopération au développement traditionnel pour aller vers quelque chose qu'on a dit concret, quoique la coopération au développement, c'est quelque chose de très concret. Donc, on est allé, disons, à cette initiative de, du vice-président, le commissaire Antonio Tajani. C'est très intéressant, car ça touche vraiment... Un des noyaux importants de n'importe quel développement. Ce sont les petites et moyennes entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en Europe, la plupart en fait, du tissu industriel est composé de petites et moyennes entreprises. Et concernant l'Afrique aussi, la plupart ce sont des petites et moyennes entreprises, sauf qu'en Afrique, la plupart de ces PME sont encore à un niveau, disons, informel. Voilà, oui, et l'intérêt, c'est que dans la proposition. De trouver euh, un moyen de, 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 disons de renforcer euh, l'aspect le, le, euh, recherche de, de, de finances. C'est très intéressant car une PME européenne a accès un peu moins difficile, je ne dirais pas plus facile, un peu moins difficile parce que cette PME, elle est formelle. Donc euh, ici en Union européenne, presque tout est formalisé. Donc ce qui fait que cette PME, en identifiant un partenaire euh, africain euh, peut, euh, en fonction de, de disons d'affinité, cette PME peut faire opérer un vrai transfert de technologie et ce transfert, entre autres, c'est tout ce qui' est la technique financière d'obtenir des moyens ensemble. et ici en Europe, il y a beaucoup de comptoirs de, de, comptoir, de desks où on peut frapper, mais ce n'est pas une PME euh, disons euh, africaine Afrique. qui va venir frapper. Euh, via euh, ce genre de d'initiative euh, c'est plutôt une pme euh, européenne, européenne oui. et là je crois que on va on va parce que c'est toujours un paris nous allons vraiment euh, euh, voir euh, l'évolution de cette initiative et bon il faut parier que ça va être quelque chose de positif. Pour, pour voir comment ça peut évoluer hein, pas à pas donc je reviens vers vous et parlons euh, de choses concrètes euh, on a aussi euh, cité lors de, de, de ce forum hein, euh, l'idée de mettre en place des joint ventures donc des, euh, des associations je dirais comme ça une traduction euh, un peu libre euh, entre des PME africaines et des PME européennes pour justement aller vers euh, le, le marché financier et avoir de l'argent. Est-ce que de là, il y a quelque chose de concret qui peut ressortir Je crois qu'il faut même aller un peu plus loin mmh. que des, des joint ventures individuelles qui sont peut-être 5, 10, un petit nombre. Et pour ça, nous utilisons notre Enterprise euh, Europe Network, mmh. qui est un réseau de aujourd'hui 500 outlets euh, en Europe et ailleurs. Euh, pour, comme antenne sur le terrain. Et là, on a quelques-unes déjà en Afrique et on a, à, à la conférence, on a décidé de faire élargir ce réseau pour euh, donner aussi, comme vous dites, c'est difficile pour le peuple en Afrique d'aller en, en Europe. Mais là, ils peuvent aller localement sur le centre, demander, moi j'offre ça, est-ce que c'est peut-être intéressant pour quelqu'un en, en Europe, où je cherche une certaine technologie. Est-ce que vous pouvez m'aider de faire Technology Scouting dans les pays de l'Union européenne, euh, si je peux trouver un partenaire qui peut travailler avec moi Tout ça, c'est très concret, comme Donc vous dites, mais c'est même euh, euh, au niveau systématique, oui. pas seulement individuel là, entre des sociétés une ville mais euh, systématique entre les réseaux. Parce que le réseau, le partenaire réseau en Afrique, il a tous les autres membres du réseau pour contacter, pour dire est-ce que de chez vous il y a certaines euh, sociétés qui, qui peuvent aider ou qui sont intéressées. Et vous avez déjà un calendrier pour le, cette ouverture des antennes euh, comme ça dans différents pays peut-être euh, Ça marche d'une façon un peu plus formelle. Alors, il faut faire des recherches, il faut faire ça. Ça s'est fait normalement une fois par an. ce n'est pas quelque chose qui va être demain. Mais déjà, la démarche, c'est euh, euh, dans les mémorandums que vous, euh, vous évoquez euh, euh, un instant, de, de faire ces choses très concrètes. Exactement. Alors, il est de vous, vous êtes justement sur euh, ce, ce, ce créneau-là aussi, de donner de l'information aux, aux acteurs économiques. Hein, donc, le, la PME qui se trouve au Tchad, au Mali, au Mozambique ou au, en République démocratique du Congo, et qui a besoin d'information, qui veut savoir. Où elle peut trouver de l'argent, non seulement sur le marché local dans son pays, mais aussi au-delà. Parce qu'aujourd'hui, avec la globalisation, l'argent passe d'un continent à un autre. Mais peut-être que, est-ce que ce genre d'antenne, d'initiative, pour avoir des, des, des antennes, en fait, qui donnent de l'information et qui travaillent, j'imagine, en coopération avec les, les groupements locaux euh, d'entrepreneuriat, donc les associations patronales et tout ça, est-ce que c'est quelque chose dans lequel, vous aussi, vous travaillez et vous pensez qu'il faut mettre l'accent Je pense que c'est très intéressant. Certainement, tous ceux. Toute organisation ou toute structure qui peut aider les PME, PMI africaines à avancer et à trouver des de partenaires en Afrique, dans la région, dans la sous-région ou ailleurs, en, en Europe ou, ou ailleurs, est welcome. Donc, ça, tout, toute initiative est la, la bienvenue. D'ailleurs, je voulais ajouter le CDE, le, CDE, le Centre pour, pour le, le développement, développement de l'entreprise. Mmh. C'est aussi un centre, un lieu où les entreprises peuvent s'inscrire. Vous avez le CTA à Wageningen aux Pays-Bas, de nouveau. Ce sont des initiatives de l'Union européenne à la base pour les, les ACP, pour aider les, les PME, PMI, à, à, par exemple, à venir à des rencontres comme chez nous, qui sont très pratiques et très pragmatiques. Dans ces rencontres, vous, vous, vous avez, dans ces forums, vous avez ce qu'on a mis sur place il y a déjà quelques années, ce qu'on appelle le B2B. Et ça devient de plus en plus professionnel. C'est-à-dire, vous remplissez un, un formulaire, vous voulez rencontrer telle ou telle entreprise dans tel ou tel domaine, secteur, pays, région, et, etc. Et vous avez une, une dizaine de rencontres, où, enfin, ça dépend de euh, vos intérêts. Mm -hmm. Et, et on, on a vu, justement, à Johannesburg, à l'agribusiness, on a eu plus de 1000 000... Euh, B2B, donc mille et rencontres. Et de ces B2B, il y a des et véritables de B2B, deals concrets qui absolument, sortent Absolument, absolument. C'est ce que j'ai dit. Il y a les, des banques européennes qui cherchent à investir de l'argent. Donc, c'est vrai, on est en période de crise économique et mondiale, je dirais, mais il y a quand même beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent, comme notre président, euh, professeur Mathieu dit, il y a beaucoup d'argent euh, en Afrique, certainement en Europe. Seulement, il faut trouver des bons projets. Et lors de ces rencontres. Pratique de B2B, il y a de bons projets, il y a d'excellents projets. On a initié le Project Incubator Award. C'est un prix qu'on donne à des PME, PMI africaines pour, des, pour avoir présenté un, un projet qui a de l'avenir, un projet qui a. Qui est sustainable, qui, 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 qui peut durable. se développer, voilà. qui, est, qui est durable. Et 15 000 dollars, deux fois par an, une fois sponsorisé par la Bank, une fois sponsorisé par la BAD, va dans des, à, à une des, des PME euh, africaines. Donc, il y a des idées, il y a des volontés, il y a, il y a des bons entrepreneurs africains. Ce qui manque souvent, c'est les, les mettre justement sur le marché, les, les, les présenter à des des potentiels partenaires. C'est ça notre contact rôle. qui manque, c'est ça Parce que je vais venir sur cette question-là. Quelles sont, de par votre expérience, hein, que, que, quels sont encore les, les, les chantiers à, à améliorer euh, Quelles sont les lacunes, par exemple, pour aujourd'hui euh, Ceux qui vont nous regarder, je veux dire, chefs chef d'entreprise, comme je l'ai dit, Anjamena, euh, à à Bijan, euh, euh, ou ailleurs, euh, à Accra en Afrique, et qui a envie justement de... Il a la bonne idée, il a le bon projet, mais il ne trouve pas de financement. Je veux dire, est-ce que c'est ça C'est vraiment le financement, euh, le nerf de la guerre Ou quelles sont les autres lacunes Vous à savez, la promotion à, à, des PME À la fin, le, il faut de l'argent, comme oui. je dis toujours, pour aller au marché acheter des tomates. Oui, ça, il faut de l'argent. Mais avant cela, il y a pas mal de. Des barrières, on, on les connaît bien. Il y a le, le business environment, donc l'environnement des, des affaires, le cadre. la démocratisation, la transparence, et, et enfin tout, tout ça. L'infrastructure, l'énergie, l'eau potable, donc et les routes. Il y, a, il y a pas mal de, de barrières encore, mais les, les sources de financement et les, les nouvelles idées pour les financements sont une barrière très importante, et c'est là où, pour nous, il faut mettre l'accent. Bien évidemment, il faut travailler sur la démocratisation et je pense que l'Afrique a énormément avancé depuis une vingtaine d'années que nous et suivons les affaires là-bas, dans ce continent, il y a beaucoup d'améliorations. On les voit bien. Il y a le, le printemps arabe, mais nous, on s'occupe de l'Afrique subsaharienne. Et il y a beaucoup d'améliorations. Il y a plus de transparence. Il y a déjà des pays africains qui sont dans, les, dans, dans le rapport de la Banque mondiale, dans les business. Comme le, le Rwanda, l'île Maurice, le Botswana qui a le, fait des, 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 des très bonnes performances. Derrière, je regardais le, le, le rapport de. Transparency International sur la corruption et le Botswana est le premier africain qui se situe je crois au niveau 50 donc 50e au niveau de la mm -hmm. corruption donc le pays Mondial. les moins corrompu et, mm -hmm. et il est même avant la france vous imaginez ouais. <laughs> c'est bon, une performance sans commentaire <laughs> sans commentaire <laughs> mais non pour donc, dire que l'Afrique il y a une Afrique qui réussit une Afrique du succès ça existe oui, oui. Alors, il y a encore des barrières, et des, des grandes et hautes barrières. Mmh. Mais je pense qu'on va, on va à l'avant et on, et on améliore aussi l'accès au financement. Ça, c'est certainement une barrière très importante. Parce qu'à à la fin, quand vous faites des affaires sur le plan personnel, vous voulez voir avec qui vous allez travailler. Donc la personne personnellement est très très importante oh, 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 à la racine justement de cette question c'est une question de confiance comme vous avez dit d'où dans le genre d'entretien que vous dites ou un entretien face à face avec le banquier c'est toujours mieux que d'avoir un dossier bien préparé il faut qu'on voit la personne qu'on croit en l'homme ou la femme qui porte le projet effectivement ça c'est très 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 important. Et c'est la raison pour laquelle on organise des programmes de formation et des forums et des missions économiques, etc., pour justement présenter les Africains et les bons entrepreneurs africains qui comprennent ça de mieux en mieux et de plus en plus, les présenter à des partenaires potentiels en Europe, en Inde, aux États-Unis et ailleurs dans, en, en Afrique d'ailleurs bonsoir à tous bienvenue sur vox africa merci d'être au rendez vous de vice versa votre magazine de débat et d'échange d'idées nous poursuivons bien entendu notre dialogue afrique europe et aujourd'hui nous nous arrêtons sur un thème particulier celui de la promotion de l'entrepreneuriat et des pme des petites et moyennes Entreprise avec plusieurs invités sur, le, sur ce plateau que je vous présente tout de suite, à commencer par à ma droite, monsieur Christian Weinberger, qui est conseiller pour la politique des PME et de l'entrepreneuriat à la direction générale entreprise et industrie de la Commission de l'Union européenne. Monsieur Weinberger, merci d'être là. Bonjour. Merci aussi. Avec nous aussi, Edith Miller, qui est la directrice générale de EMRC, qui est un. Cabinet de consultance, mais aussi qui organise de nombreux forums pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat en Afrique. Edith, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Première présence dans une émission de Vox Africa. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Edith. Et enfin, un euh, invité aussi que vous connaissez bien, euh, Dacha Ribeiro, journaliste au producteur et éditorialiste dans Vice Versa. Dacha, merci d'être là. Merci, Eric. Alors donc, on parlera bien sûr de la promotion des petites et moyennes entreprises en rebondissant sur ce forum ici, SME Finance Forum Africa. Euh, Union européenne qui a eu lieu le 23 novembre ici à Bruxelles à l'initiative du commissaire euh, européen à l'industrie et à l'entrepreneuriat, monsieur Antonio Tajani. Donc, un forum qui a réuni à la fois la commission de l'Union euh, européenne et la commission de l'Union africaine pour essayer de dresser des ponts entre les deux continents, entre les deux commissions, pour promouvoir un financement innovant pour les petites et moyennes entreprises. Alors, nous avons sur ce plateau, comme je le disais, monsieur Christian Weinberger. Alors, vous faites partie justement de cette DG Entreprise et Industrie. Euh, la première question, d'abord, on a coutume quand on parle des relations Afrique-Europe euh, d'avoir plutôt comme interlocuteur du côté de la Commission Européenne la DG DEFCO, ce qu'on appelle la DG DEFCO, c'est-à-dire celle de la coopération et l'aide au développement. Mais là, c'est une initiative qui venait de la DG Industrie. Euh, pourquoi cette initiative et Parce que, euh, à la limite, l'aide doit être aussi réelle. C est, c est parler tout le temps de services, c'est une chose. Mais l'économie réelle, ce sont les sociétés, ce sont les, les industries, ce sont les PME. Et là, il faut renforcer. Si on, si on veut aider, aider, il faut renforcer le business. Exactement, mais c'est vrai, vous avez raison de souligner ça, parce que c'est ça justement qui a retenu notre attention, le fait que l'initiative ne vienne pas dans le cadre de ce qu'on a communément l'habitude de voir, hein, c'est-à-dire des discussions sur l'aide publique au développement. Euh, d'ailleurs, il faudrait souligner que dans la réforme récente de l'aide publique au développement, le commissaire André Spielbach a d'ailleurs mis l'accent sur le privé, donc euh, le rôle du secteur privé, la promotion du secteur privé dans les pays euh, en développement, et notamment en Afrique, pour essayer justement de faire ce saut qualitatif pour atteindre le développement. Alors revenons au forum du, du 23 novembre, un forum, comme je l'ai dit, qui est un forum sur la finance des PME, un forum que vous organisez régulièrement, tous les six mois, où vous vous concentrez plus essentiellement sur le financement des PME européennes. Mais cette fois-ci, vous avez choisi de lancer un pont vers l'Afrique. Alors dites-nous quels étaient les objectifs d'abord de ce forum et est-ce qu'ils ont été atteints euh, L'Europe est grande. Mais il y a certains pays qui sont très proches à l'Afrique. Alors pour eux, c'est plus logique d'aller vers l'Afrique que vers la Suède ou, ou, ou Finlande. Euh, par contre, le marché commun est facile. Exporter vers l'Afrique, ce n'est pas toujours si facile, surtout pour les petites et, et moyennes entreprises. Et c'est pour ça qu'on doit aussi euh, mettre un certain focus euh, de, de faire plus facile les rations, les business international pour les PME. Et en effet, euh, la Commission euh, vient de lancer, et c'était aussi ressorti de notre DG et des de compétences de M. Tajani, une euh, euh, communication de la Commission pour aider l'internationalisation des PME. C'est une fois un peu plus général, mais c'est une action, c'était la semaine dernière, une action plus concrète. Et, et alors, au terme du forum donc, du 23 novembre dernier hein, sur les SME, la finance des, des petites et moyennes entreprises, euh, Afrique-Europe, euh, il y a eu un MOU qui a été signé. Et ça consiste en quoi qu que, euh, qu que, Quel sera l'avenir Quel a été le résultat concret et quelles sont les perspectives euh, La politique PME en, en Europe, de l'Union, de la Commission, si vous voulez, c'est... Euh, quand même, c'est un domaine important de comparer, c'est ce qu'ils font les États membres, de vérifier, d'analyser, de trouver les bonnes pratiques. Et le forum est aussi un forum de parler, d'en parler, les bonnes pratiques qu'ils font les uns, qui peuvent être euh, utilisées par les autres. C'est assez logique, je trouve, qu'on dit pourquoi ne pas étendre ce discours euh, vers l'Afrique, pour inspirer les, les pays en, en Afrique, la politique aussi de la Commission de l'Union africaine, utiliser les bonnes pratiques. Ce n'est pas la peine de euh, trouver les roues euh, par de tout le monde. Exactement. Mais est-ce qu'on ne parle pas de deux, de deux ensembles qui sont quand même. Euh... Diamétralement différents. Je veux dire, l'Europe a une vieille tradition d'industrialisation. Euh, L'Afrique est à peine, comme on le dit, un continent euh, en voie de développement. Donc, notamment, le, le poids relatif des PME, PMI dans, dans, dans l'économie, dans la production de richesses, n'est pas la même en Afrique et en Europe. Euh, Est-ce que deux entités qui ont de telles différences peuvent-elles coopérer et parler ensemble Parler le même langage Une fois déjà, euh, en, en, des dents. En Europe, il y a des grandes différences. Si vous comparez Bulgarie et le Royaume-Uni ou la Finlande et le Portugal, il y a cette différence. Mais nous trouvons, quand nous faisons l'analyse, que les problèmes, en principe, les problèmes de base sont toujours les mêmes. Les solutions peuvent varier, le, le taille relative de certaines solutions peuvent changer, mais à la limite, et c'était aussi évidencé à la conférence, la situation n'est pas tellement différente et on ne peut pas utiliser euh, les choses que nous avons trouvées. Alors un exemple, par exemple, d'une bonne pratique par qui exemple, pourrait être euh, étendue ou en tout cas euh, servir aussi bien euh, oui. en Europe et en Afrique. Par exemple, vous avez un, un grand problème pour les plus petits, euh, l'entreprise ou l'entrepreneur, les plus euh, difficiles à trouver les financements. Parce que les banques, avec les petites entreprises, ils s'en doutent, est-ce que l'entrepreneur le, est capable, est-ce que ce n'est pas un trop grand risque. Et aussi, les, 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 les sommes ne sont pas tellement élevées que les banques se disent, il faut maintenant faire un dossier, faire monter un dossier pour, trouver, pour analyser tout, les risques et tout ça. Ça nous coûte beaucoup, ça vaut mieux d'investir euh, notre argent ailleurs. C'est le même problème chez nous, en Europe et en Afrique. Et évidemment, la solution est d'informer plus intensivement les gens aux banques, comment faire avec ces petites, très petites entreprises. Mais c'est aussi de donner un support aux entrepreneurs, comment il faut se présenter vis-à-vis d'une -vis banque. Il y a des règles, il y a des, des moyens de, de faire son business case beaucoup mieux. Et ça aide beaucoup. Par exemple. Par exemple okay. Et faire ces initiatives, trouver l'organisme de support qui peut implémenter ça, c'est quelque chose qui peut être financé. Okay, on voilà. rentrera plus en détail justement dans ces outils hein, qui existent et qui sont à disposition et qui bien sûr devraient être améliorés. Je me tourne vers vous, Edith Miller, j'ai rappelé, donc directrice générale de EMRC, euh, un organisme qui a justement... Cette habitude du terrain, parce que vous organisez plusieurs forums, hein, notamment il y a un an ou deux ans, c'était Amsterdam, le dernier euh, Africa Finance aussi, hein, donc pour chercher des financements pour les PME-PMI. Récemment, vous étiez en Afrique du Sud pour l'agribusiness, dans un secteur clé, l'agriculture, un secteur porteur sur le continent africain. Est-ce que d'abord, première question, euh, ça vous paraît intéressant le fait que ce ne soit plus un dialogue entre Afrique et, et je dirais la galaxie de la coopération au développement, mais ce soit un dialogue avec la DG Industrie et Entrepreneuriat de l'Europe. Et comme l'a dit M. Weinberger, cette fois-ci, on parle business réel. Je pense que c'est très intéressant. D'abord, si vous étiez à notre conférence qu'on a fait avec la Banque africaine de développement en début à Lisbonne, juin, au juin à Lisbonne effectivement, c'était dans, le dans les, les assemblées annuelles de la le... la Banque africaine de Effect... développement. Effectivement, et là la banque nous a demandé, donc on était partenaire et la banque nous a demandé d'organiser une conférence sur les SME finance. Donc c'est exactement le même sujet qui a été traité ici la semaine dernière. Maintenant les langages est pareil. Donc, il faut chercher des financements. Il y a des difficultés pour les PME africaines de trouver des financements et il faut chercher un petit peu des idées innovantes. Et les idées innovantes sont, par exemple, des interviews euh, spéciaux qui ont été développées d'ailleurs à Harvard, à l'Université de à Boston, et que, euh, où vous ne vous présentez pas un dossier euh, comme comme jusqu'à aujourd'hui à la banque, parce qu'effectivement, il faut apprendre comment présenter votre cas et votre projet, mais vous, vous passez une interview avec le banquier. Et dans cette interview, qui dure une heure ou deux heures, hein, c'est une interview longue et détaillée, les banquiers définissent et, et vérifient si vous êtes sérieux, si vous êtes capable de, de, de payer, etc. Et ils disent, d'après eux, que le, le taux de réussite, d'après ces interviews, est quelque 70%, et c'est beaucoup plus élevé que le, avec, enfin, dans un cas traditionnel, et des méthodes traditionnelles qui ont été utilisées jusqu'à maintenant. Donc, les problèmes de financement pour les PME sont. Effectivement, comme vous avez dit, ils sont très très semblables entre l'Afrique et l'Europe. Seulement, en Afrique, le problème est plus grave. Ça, c'est vrai. Mais ils sont vraiment très similaires. Seulement, en Afrique, Mais il y a moins de d'entreprises. De, 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 il y a euh, moins de, faire des ponts et se, se, se faire une transmission des bonnes pratiques. pensez que ça, c'est possible ça, c'est des solutions qui auraient avis, marché en Europe, les appliquer en Afrique ou des solutions qui auraient marché en Afrique, les appliquer en Europe. Par exemple, on vu, hein, l'a vu, le, le, le boom de la microfinance, par exemple euh, en, en Afrique, en Afrique. Ça, ça a été très intéressant. Il y a même maintenant des cas de microfinance pour des très petites PME qui, qui, qui utilisent le même système ici en Europe aussi. Non, non seulement ça, mais nous introduisons des, des banques européennes en Afrique pour aider la microfinance. Donc des banques européennes, et on a plusieurs exemples sans les citer, mais on a plusieurs exemples de banques européennes qui cherchent où investir leur argent et ils l'investissent dans des microfinances et des microcrédits en Afrique. Donc pour, pour dire que la confiance est là et si on travaille ensemble et on, on passe les bonnes pratiques de l'Europe vers l'Afrique, si on passe par le stade de la formation, parce que la formation professionnelle c'est quelque chose de très important, il est très solide en Europe. Beaucoup moins en Afrique. Si on passe par ce stade via un partenariat avec des Européens, oui, alors on peut vraiment avancer, okay, avancer va pas mal. On continuer dans le détail pour voir vraiment quels sont les points justement où on pourrait insister et, et là où des progrès substantiels peuvent être opérés. Mais avant ça, on reste sur le, 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 la question préliminaire, hein, comme je disais, le fait que ce soit cette, ce dialogue notamment entre l'Afrique et une DG opérationnelle, si je puis dire, la DG entreprise. Est-ce que pour vous, Dacha, qui observez ces choses aussi avec un recul, est-ce que c'est symboliquement intéressant de dire que là, on parle business réel c'est plus que symbolique, Eric, car, euh, en fait, comme vous avez très bien dit au début, euh, disons que cette fois-ci, on a quitté le champ de la coopération au développement traditionnel pour aller vers quelque chose qu'on a dit concret, quoique la coopération au développement, c'est quelque chose de très concret. Donc, on est allé, disons, à cette initiative de, du vice-président, le commissaire Antonio Tajani. C'est très intéressant, car ça touche vraiment... Un des noyaux importants de n'importe quel développement. Ce sont les petites et moyennes entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en Europe, la plupart en fait, du tissu industriel est composé de petites et moyennes entreprises. Et concernant l'Afrique aussi, la plupart ce sont des petites et moyennes entreprises, sauf qu'en Afrique, la plupart de ces PME sont encore à un niveau, disons, informel. Voilà, oui, et l'intérêt, c'est que dans la proposition de trouver un moyen de, 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 disons de renforcer euh, l'aspect euh, recherche de, de, de finances. C'est très intéressant car une PME européenne a accès un peu moins difficile, je ne dirais pas plus facile, un peu moins difficile parce que cette PME, elle est formelle. Donc euh, ici, en Union européenne, presque tout est formalisé. Donc ce qui fait que cette PME, en identifiant un partenaire, euh, africain euh, peut, euh, en fonction de, de, disons, d'affinité, cette PME peut faire opérer un vrai transfert de technologie. Et ce transfert, entre autres, c'est tout ce qui est la technique financière d'obtenir des moyens ensemble. Et ici en Europe, il y a beaucoup de comptoirs, de, de, comptoir, de desks où on peut frapper, mais ce n'est pas une PME, euh, disons, euh, africaine African. qui va venir frapper euh, via euh, ce genre de. de... Euh, d'initiative, c'est plutôt une PME euh, européenne. européenne oui. Et là, je crois que on va, on va parce que c'est toujours un Paris. Nous allons vraiment. Euh, euh, voir euh, l'évolution de cette initiative et bon, il faut parier que ça va être quelque chose Mais justement, de... Positif. Pour, pour voir comment ça peut évoluer, hein, pas à pas, donc je reviens vers vous et parlons euh, de choses concrètes. Euh, on a aussi euh, cité lors de, de, de ce forum hein, euh, l'idée de mettre en place des joint ventures, donc des, euh, des associations, je dirais comme ça, une traduction euh, un peu libre, euh, entre des PME africaines et des PME européennes pour justement aller... Vers euh, le, le marché financier et avoir de l'argent. Est-ce que de là, il y a quelque chose de concret qui peut ressortir Je crois qu'il faut même aller un peu plus loin mmh. que des, des joint ventures individuelles qui sont peut-être 5, 10, un euh, petit nombre. Et pour ça, nous utilisons notre Enterprise euh, Europe Network, mmh. qui est un réseau de aujourd'hui 500 outlets euh, en Europe et ailleurs. Euh, pour, comme antenne sur le terrain. Et là, on a quelques-unes déjà en Afrique et on a, à, à la conférence, on a décidé de faire élargir ce réseau pour euh, donner aussi, comme vous dites, c'est difficile pour le peuple en Afrique d'aller en, en Europe. Mais là, ils peuvent aller localement sur le centre, demander, moi j'offre ça, est-ce que c'est peut-être intéressant pour quelqu'un en, en, en Europe où je cherche une certaine technologie. Est-ce que vous pouvez m'aider de faire Technology Scouting dans les pays de l'Union européenne, euh, si je peux trouver un partenaire qui peut travailler avec moi Tout ça, c'est très concret, comme Donc vous dites, mais c'est même euh, euh, au niveau systématique, oui. pas seulement individuel là, entre des sociétés, une ville mais systématique entre les réseaux. Parce que les réseaux, les partenaires réseaux en Afrique, il a tous les autres membres de, de réseau pour contacter, pour dire est-ce que de chez vous il y a certaines euh, sociétés qui, qui peuvent aider ou qui sont intéressées Et vous avez déjà un calendrier pour le, cette ouverture des antennes euh, comme ça dans différents pays, peut-être euh, Ça marche d'une façon un peu plus formelle. Alors, il faut faire des recherches, il faut faire ça. Ça, ça s'est fait normalement une fois par an. C'est pas. Alors, quelque chose qui va être demain, mais déjà la démarche, c'est euh, euh, dans les mémorandums que vous, euh, vous évoquez euh, euh, un instant, de, de faire ces choses très concrètes. Exactement. Alors, idée de vous, vous êtes justement sur euh, ce, ce, ce créneau-là aussi, de donner de l'information aux acteurs économiques hein, donc la PME qui se trouve au Tchad au Mali, au Mozambique ou en République démocratique du Congo et qui a besoin d'informations, qui veut savoir où elle peut trouver de l'argent, non seulement sur le marché local dans son pays mais aussi au-delà parce qu'aujourd'hui avec la globalisation l'argent passe d'un continent à un autre mais peut-être que, est-ce que ce genre d'antenne, d'initiative pour avoir des, des, des antennes en fait qui donnent de l'information et qui travaillent j'imagine en coopération avec les, les groupements locaux euh, d'entrepreneurs donc les associations patronales et tout ça, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous aussi vous travaillez et vous pensez qu'il faut mettre l'accent Je pense que c'est très intéressant. Certainement, tout ce, toute organisation ou toute structure qui peut aider les PME, PMI africaines à avancer et à trouver des de partenaires en Afrique, dans la région, dans la sous-région ou ailleurs en, en Europe ou, ou ailleurs. Et welcome. Donc, ça, tout, toute initiative est la, la bienvenue. D'ailleurs, je voulais ajouter le CDE. Le CDE, le Centre pour, pour le, le Développement, développement de l'Entreprise, oui. c'est aussi un centre, un lieu où les entreprises peuvent s'inscrire. Vous avez le CTA à Wageningen, aux, aux Pays-Bas, de nouveau. Ce sont des initiatives de l'Union européenne à la base pour les, les ACP pour aider les, les PME, PMI, à, à, par exemple, à venir à des rencontres comme chez nous, qui sont très pratiques et très pragmatiques. Dans ces rencontres, vous, vous, vous avez, dans ces forums, vous avez ce qu'on a mis sur place il y a déjà quelques années, ce qu'on appelle le B2B. Et ça devient de plus en plus professionnel. C'est-à-dire, vous remplissez un, un formulaire, vous voulez rencontrer telle ou telle entreprise dans tel ou tel domaine, secteur. Pays, régions, etc. Et vous avez une, une dizaine de rencontres, où, enfin, ça dépend de euh, vos intérêts. Mmh. Et, et on, on a vu, justement, à Johannesburg, à l'agribusiness, on a eu plus de 1000 euh, B2B. Donc, 1000 rencontres. Et de rencontres. ces B2B, il y a des et véritables de B2B, deals concrets qui absolument, sortent Absolument, absolument. C'est ce que j'ai dit. Il y a des les banques européennes qui cherchent à investir de l'argent. Donc, c'est vrai, on est en période de crise mmh. économique et mondiale. Je dirais, mais il y a quand même beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent, comme notre président, professeur a dit, il y a beaucoup d'argent en Afrique, certainement en Europe. Seulement, il faut trouver des bons projets. Et lors de ces rencontres pratiques de B2B, il y a des bons projets, il y a d'excellents projets. On a initié le Project Incubator Award. C'est un prix qu'on donne à des PME, PMI africaines. Pour, des, pour avoir présenté un, un projet qui a de l'avenir, un projet qui a. Qui est sustainable, qui, 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 qui est peut se développer, voilà. qui, est, qui est durable. Et 15 000 dollars, deux fois par an, une fois sponsorisé par l'Arab Bank, une fois sponsorisé par la BAD, va dans des, à, à une des PME, PMI, PMI euh, africaines. Donc, il y a des idées, il y a des volontés, oui. il, y a, il y a des bons entrepreneurs africains. Ce qui manque souvent, c'est les, les mettre justement sur le marché, les, les, les présenter à des des potentiels partenaires. C'est ça les un autre de contact rôle. qui manque, c'est ça parce que je vais venir sur cette question-là. Quels sont, de par votre expérience, hein, que, que, quels sont encore les, les, les chantiers à, à améliorer euh, Quelles sont les lacunes, par exemple, pour aujourd'hui euh, ceux qui vont nous regarder, je veux dire, chef d'entreprise, comme je l'ai dit, Anjamena, euh, à à Bijan, euh, euh, ou ailleurs, euh, à Accra en Afrique, et qui a envie justement de, il a la bonne idée, il a le bon projet, mais il ne trouve pas de financement. Je veux dire, est-ce que c'est ça, c'est vraiment le financement, euh, le nerf de la guerre ou quelles sont les autres lacunes Vous à savez, la promotion à, des PNR à, à la fin, le, il faut de l'argent, comme oui. je dis toujours, pour aller au marché acheter des tomates. Oui, ça, il faut de l'argent. Mais avant cela, il y a pas mal de. Des barrières, on, le, on les connaît bien. Il y a le, le business environment, donc l'environnement des, des affaires, le cadre. la démocratisation, la transparence, et, et enfin tout, tout ça, l'infrastructure, l'énergie, l'eau potable, donc et les routes. Il y, a, il y a pas mal de, de barrières encore, mais les, les sources de financement et les, les nouvelles idées pour les financements sont une barrière très importante, et c'est là où, pour nous, il faut mettre l'accent. Bien évidemment, il faut travailler sur la démocratisation et je pense que l'Afrique a énormément avancé depuis une vingtaine d'années que nous suivons les affaires là-bas, dans ce continent. Il y a beaucoup d'améliorations, on les voit bien, il y a le printemps arabe, mais nous, on s'occupe de l'Afrique subsaharienne. Et il y a beaucoup d'améliorations, il y a plus de transparence. Il y a déjà des pays africains qui sont dans, les, dans, dans le rapport de la Banque mondiale, dans les business, comme le Rwanda, l'île le, le Rwanda, Rwanda, Maurice, le Botswana, qui a, le, qui a fait des, 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 des très bonnes performances. Hier, je regardais le, le, le rapport de Transparency International sur la corruption, et le Botswana est le premier africain qui se situe, je crois, au niveau 50, donc cinquantième au niveau de la corruption, mm -hmm. donc le pays les moins corrompu et, mm -hmm. et il est même avant la France. Vous imaginez. <laughs> bon, une performance. Sans, commentaire. <laughs> sans commentaire. Mais non, pour Donc, dire que l'Afrique, il y a une Afrique qui réussit, une Afrique du succès, ça existe. Oui, oui. Alors, il y a encore des barrières et des, des grandes et hautes barrières, mmh. mais je pense qu'on va, on va à l'avant et, et on améliore aussi l'accès au financement. Ça, c'est certainement une barrière très importante. Parce qu'à la fin, quand vous faites des affaires sur le plan personnel, vous voulez voir avec qui vous allez travailler. Donc la personne, personnellement, est très très importante. À la racine justement de cette question, c'est une question de confiance comme vous avez dit. D'où dans le genre d'entretien que vous dites, ou un en entretien face à face avec le banquier. C'est toujours mieux que d'avoir un dossier bien préparé. Il faut qu'on voit la personne, qu'on croit en l'homme ou la femme qui porte le projet. Effectivement, ça c'est très, très, très important. Et c'est la raison pour laquelle on organise des programmes de formation et des forums et des missions économiques, etc., pour justement présenter les Africains et les bons entrepreneurs africains, qui comprennent ça de mieux en mieux et de plus en plus, les présenter à des partenaires potentiels, en Europe, en Inde, aux États-Unis et ailleurs dans, en, en Afrique d'ailleurs. Exactement. une réaction bon, en fait, Je reste carrément au niveau, disons, de, de cette relation Europe-Afrique. Oui. Euh, C'est vrai qu'il y a des institutions qu'on appelle institutions paritaires dans le cadre de la Convention de Cotonou, comme le CDE que Madame a cité, qui est le Centre de développement d'entreprise, qui...